La sous-préfecture de Sabadou-Baranama est composée de 16 districts. Même si elle est dotée d'un centre de santé digne de nom, le manque de matériel et celui de l'affluence fait défaut. Selon Mamadi Traoré, chef de centre adjoint, le centre de santé n'a pas tous les matériels nécessaires pour faire face aux besoins. Équipement Koboloma, équipement Bétambolo, Alessisane, Aibansa, Enela, fichier de diamant, clé le camp. L'État vient de mettre à notre disposition des clés USB sur lesquelles se trouvent des documents que nous devons remplir pour exprimer nos besoins. On est en manque de beaucoup de matériel. On a fait des recommandations. Il y a autres besoins. C'est vrai qu'on a un bâtiment digne de nom, mais on doit changer les tôles maintenant. On ne peut pas prendre le risque avec les documents administratifs. Papier milliard qu'on a, parce que l'habitant n'est pas à la fin, là, si papier un matériel apparemment fin, c'est que n'a qu'il y a voulu qu'un danger qu'à vous. Ce centre de santé situé en plein cœur de la sous-préfecture de Sabadou-Baranama est moins fréquenté par les populations. Quand on venait dans les environs de 16 heures, il était fermé. Aucun personnel ni des patients n'étaient visibles. Mais Mamadi Traoré a une autre explication. Bon, il n'a pas dit, mais au cas où on connaît moins le tout le sinon di depuis que na bora netreya na na ka kana na bom et puis na na bara la pef na netreya. Quand vous êtes venu, j'étais parti me laver. Tout le personnel était là jusqu'à 16 heures, mais ils sont rentrés à la maison. On ne peut pas garder des malades ici comme dans les hôpitaux. Ici, on observe les patients. Des fois, on fait la perfusion, mais on ne les garde pas longtemps. C'est pourquoi vous ne les avez pas trouvés ici. Pour finir, cet agent infirmier a appelé les populations à s'intéresser de plus en plus au centre de santé pour leurs soins. Ce que je peux dire aux populations de Sabadou-Baranama et environnants, il y a beaucoup d'opportunités ici. Ne laissez pas les malades en finir avec vous. Venez à temps à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Les médicaments contre le paludisme sont gratuits. Des moustiquaires aussi. Dans ce centre de santé, on compte 9 personnes, dont 5 femmes et 4 hommes. À retenir que la sous-préfecture de Sabadou-Baranama est composée de 16 districts pour 8 postes de santé.